On nous garde encore une fois, directeur Normil Rameau, qui t'a humilié, ancien volo, bien volo, fantôme section 9 là, qui est le France LB. On nous garde comment déjà Normil Rameau t'a humilié volo. Voilà. Il n'y a pas de la main avec volo. Il dit bravo. Avec DG Normil. Maintenant, nous sommes de DG Normil, ça, qui sous conseil présidentiel, cette tête-là. Maintenant, on a regardé Normil Rameau qui t'a pris installation sous président Jovenel Moïse. Pour moi-même, c'était plus belle, plus bien présenté. On faut attendre Normil Rameau à l'époque. Attendez ça et gardez, monsieur. Ça, c'est sous président Jovenel Moïse. On regarde ça avec un peu d'intérêt. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du CSPJ, Monsieur le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Madame la Représentante du Secrétaire général des Nations Unies, Madame, Messieurs les honorables juges, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur l'inspecteur général en chef de la PNH, Monsieur le commandant en chef des forces armées, Mesdames, Messieurs les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des droits humains, Monsieur le police commissionnaire Tubinu, Monsieur le protecteur du citoyen, chers amis de la presse, population haïtienne, policiers et policières. 12 juin 1995, 12 juin 2020, voilà déjà un quart de siècle depuis la création de la police nationale d'Haïti. En ce jour hautement historique, nous ne saurions, en dépit de la situation particulièrement difficile, découlant de la grévivité de la juin 1995, Monsieur le protecteur du citoyen, chers amis de la presse, population haïtienne, policiers et policières. 12 juin 1995, 12 juin 2020, voilà déjà un quart de siècle depuis la création de la police nationale d'Haïti. En ce jour hautement historique, nous ne saurions, en dépit de la situation particulièrement difficile, découlant de la grévivité de la pandémie de la COVID-19, ne pas répondre à l'appel du devoir patriotique pour célébrer avec vous cette journée qui revêt un caractère aussi symbolique dans la vie du peuple haïtien et du personnel policier en particulier. 25 années de lutte, de sacrifices, de pleurs, de déceptions, de critiques, de résistance, de fierté, d'espoir, de construction et j'en passe. L'histoire de l'humanité, mesdames, messieurs, ainsi que celle des institutions, est un cumul de 6 d'épreuves qui définit au bout du compte la qualité et la valeur de ceux et celles en situation d'action. Notre histoire nationale, quant à elle, est une querelle d'euros faits d'armes, réalisée par des hommes et des femmes dont l'analyse des caractères et comportements nous inspire respect et admiration au regard des conditions générales d'action. Le regard tourné vers ce passé glorieux, héroïque, nous convie, mesdames, messieurs, en tant qu'acteurs du présent, à questionner la justesse et l'exactitude de nos engagements actuels au regard de notre vaillante histoire de peuple. À ce carrefour de la révisitation de la mémoire des héros de notre passé, tant lointain que proche, il nous a été amené à porter une rupture dans la continuité quand, en 1995, la force des choses devait conduire à la création de la toute première force de la police nationale et à la démobilisation des forces d'armée d'Haïti, tout un symbole. Haïti naquit sur fond de lutte émancipatrice, à haute dimension spirituelle. Alors, ma rappelle, non, c'était Normil Rameau qui t'a investi comme nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti. C'est en 2020, sous président Jovenel Moïse. Normil Rameau, ça que classe politique a été pète à coup sourire parce que, pas oublier,
Monsieur sorti au niveau de la DCPJ, de DCPJ pour le montrer comme directeur général de la police nationale d'Haïti. Cœur sauté total, panique totale, bon côté les assassins et qui t'a assassiné mon dans le pays. Parce que vous connaissez que Nomil Rameau, il y a un pile dossier, ne yo pas Nomil Rameau couchat, ne yo pas avlé pour que Nomil Rameau eh ben commence à râler. On sait des dossiers au niveau de la DCPJ pour commencer à mettre code dans le coup, on sait des nègres dans le pays. Mais naturellement, nèg yo et gon vol qui est le Joseph Jout, un chef de gang, un assassin, un criminel, un volé, un pas sérieux. Eh bien, naturellement, monsieur, t'es vraiment abimilié, directeur général à l'époque. Entendez, Nomil Rameau, et peuple haïtien qui t'a fait parler là. Très intéressant. Et alors, c'était pour fête la police nationale d'Haïti, 12 juin 2020. Entendez, Nomil Rameau, très intéressant. Fondatrice même d'une nouvelle humanité, porteuse d'espérance et d'espoir pour les peuples opprimés. Mesdames, Messieurs, il est malheureux, voire pénible, de constater que trop souvent, nos institutions de services publics doivent faire les frais des égaux des uns et des autres. Elles sont prises en otage par des intérêts mesquins, partisans, claniques de lutte politique sans grandeur. Elles sont détournées de leurs missions et objectifs et tiraillées, les membres incompris, écartelés en général, manipulés, divisés, en paix le prix fort de critiques infondées sans rapport avec les causes et leurs faiblesses. Quand le personnel d'une institution comme la police nationale d'Haïti doit faire face à de telles situations, c'est la pagaille et le chemin scabreux du désordre, de l'indiscipline et de la faiblesse assurée. Dans un tel cas, c'est le retour à notre devise nationale, l'union fait la force, qui reste et demeure l'orientation cardinale pour nous permettre de résister et de retrouver la voie de notre mission et agir suivant l'idéal de service pour lequel nous avons juré à travers la prestation de serment de prise de service. La situation actuelle du pays et la réalité de la PNH nous invitent à réfléchir et à répondre à la question posée tantôt. Où en sommes-nous dans ce noble idéal de service public de la protection des vies et des biens? Il nous faut tous, en notre fort intérieur, prendre le temps d'un exercice de conscience par une autocritique d'honnête. L'événement nous invite à cette introspection. Y sommes-nous donc à la hauteur des sacrifices des pères fondateurs de la nation pour répondre et prendre le virage qu'implique la conjoncture? Policiers, policières, membres de la grande famille de la PNH, au moment de souffler les 25 bougies d'anniversaire de la PNH, nous éprouvons certainement un sentiment de fierté d'appartenir à une institution qui représente la colonne vertébrale de notre jeune démocratie. Très bien. Et justement, c'était directeur Nomil Rameau à l'époque qui était, alors pour 25e anniversaire de la police nationale d'Haïti, et c'était en 2020, d'accord? Naturellement, il te prend des classes, il te prend la parole. Mais, à nous faut attendre. C'est la bataille qui a commencé. Alors, Nomil Rameau décide de faire France LB ça, je dis. Mais raison, je ne sais raison qui cause Nomil Rameau fait France LB ça, je dis. Regardez pour eux. Nous regardons ça, le fait là, et je ne sais pas raison. Je ne sais pas nous attendez. Il va bah monsieur là même monsieur honte tant qu'on vole voler lié il honte on regarde mes raisons entendez Valérie Dumas à l'époque papa Nomil Rameau qui j'ai été mourir entendez. OK, tout d'abord bon informer mon yo et bon bah une mauvaise nouvelle hier soir yo joigne papa directeur général policien et monsieur Nomil Rameau Nomil papa monsieur venu mourir dans un réservoir d'eau Ribert Nomil monsieur t'a gagné 83 ans en général il servait avec un canne et avec tout chapeau yo joigne ni canne ni chapeau en dans caïla mais yo joigne que monsieur mouri en dans réservoir de l'eau dans la cour et commandant la police là et Rameau Nomil il parlait d'un homicide et d'ailleurs DCPJ gétant et
l'ouvrir et enquête là et sous question ça. Devrait quand même commencer avec nouvelle ça. Bien que nous rendons compte que dans la soirée hier, tu as la police dans la rue, paquet de monde dans le commandement, tu es dans la rue, tu as fait patrouille, des fouilles, etc. Donc voilà, ces nouvelles là, papa commandant la police là, Ribel Normil, il jeune ni mouri en dans au réservoir dans la Koulakaye Lille, tu as 83 ans. Ça yo, c'est qui j'aime de comprendre ça yo et mettre. Voilà, et c'était comme ça. Papa directeur de la police là qui c'est et papa Normil Rameau t'est passé. Et c'est comme ça, il t'est perdu la ville. Voilà, n'a pas tourné sous ça oui et Kebela Palagé, n'a pas cassé rendez-vous ensemble avec vous tout à l'heure comme ça pour alors pour demain si Dieu veut pour l'autre édition sur plateforme YouTube Info Beto. Que bon Dieu bénisse chaque grand nous qui t'attendait et garder mission que bon Dieu bénisse Haïti chez nous. Moi même en pile Palagé, c'est ton plaisir naturellement.